Messieurs, dames, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ce 7 décembre 2017. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab, sur Dark Orbit. On va parcourir les maps. Sujet du jour, vous êtes plus raclette ou pirate? Sujet important en ces périodes où il fait assez froid, on aime bien les dîners un petit peu conviviaux. Du coup, raclette ou pirate, ce sont deux choses où voilà, les repas durent assez longtemps en général, c'est très convivial, c'est plutôt sympa. Donc j'aime bien en faire avec des amis. Et petite particularité, je penche pour la raclette. Voilà, vous savez, j'adore le fromage. Quelque chose que j'adore. J'aime plus le fromage que la viande. Donc du coup, je favorise amplement la raclette. Et ce que je préfère, c'est la raclette au morbier. C'est vraiment très bon. Voilà, petite anecdote pour vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Petite phrase d'amorce du coup. De 7, comme à son habitude, on va se promener. Est-ce qu'il y a des soutes, enfin, le soute qui traîne là? En général, c'est toi qui as fait toutes ces soutes là? I love candy. Alors du coup, est-ce qu'on prend des dégâts? Pas spécialement de la base là. Visiblement. Ah si, on en prend quand même. C'est ouf hein, de prendre autant de dégâts quand même. Hein. Tu dis tu prends autant de dégâts des lasers de la base. Voilà, on le pète quand même, mais faut voir les dégâts qu'on prend. Hein. Le type, s'il avait été un petit peu plus costaud, on était fini quoi. C'était réglé. Meurtre. Alors, on va prendre les commentaires du coup des deux dernières vidéos. En fait, je prends tous les nouveaux commentaires qu'il y a. Salut toi. Ça va? Là, tu vas prendre la gelante. Là, j'y suis allé doucement. Hein. Là, vous avez vu, sur le clavier, j'y suis allé vraiment relativement très doucement. Hein. Voilà, j'ai eu très peur. Ah, peut-être lui, là, du coup. Attention. Va-t-on le faire? On est passé normalement. Hein. Oh, il sabre. Sérieux? Oh, you kidding me, please? Mais il aurait pu rester, tenter de me tuer. Oui, j'ai attendu pour passer ma speed, enfin ma tank, là où il me restait du book, et je me suis dit du coup comme ça le mec va rester pas du tout, que dalle. Question dans le calendrier, il y a le GX, mais est-ce que c'est le vaisseau ou en même temps il faut acheter le GX pour utiliser le vaisseau dans le calendrier? Alors, j'aurais dû Goliath X plutôt. Désolé pour mon langage, je suis québécois et je suis jeune. Écoute, pas de soucis. Juste donc le Goliath X, pour pouvoir justement avoir le légendaire, exactement comme tous les designs or, il faut avoir le vaisseau de base, tout simplement. Donc si tu l'as pas eu, tu es un petit peu niqué, tu ne recevras pas le Goliath X légende. Enfin si tu l'auras sur ton compte, le Goliath X légende, mais tu pourras l'activer que quand tu auras le Goliath X lui-même basique. Ça marche un petit peu comme le Gogo ou comme le Tartarus par exemple. Tu as le Tartarus et il te faut le skin légende pour l'avoir, mais si tu as le skin légende et pas le Tartarus, du coup tu peux pas avoir le vaisseau. J'espère que j'étais clair dans mes explications, c'est pas facile. Puis je suis pas team neige, moi j'en ai genre 2 mètres par année. Mais écoute, c'est cool ça, franchement. 2 mètres de neige par an, je sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as. Alors écoute, ce monsieur, c'est quoi? Aigle du feu stellaire. What? Alors. Non! Non! Ah. Tu vas aller à la base? On va pas gâcher nos munitions là-dessus, ça va servir à rien, il va automatiquement aller à la base. On va remonter un petit peu au portail, voir s'il y a du monde. C'est triste pour un Québécois de pas aimer la neige. Parce que c'est quand même... ouais, avec tout ce que vous avez dans toute l'année. Puis on va pouvoir le tuer ou quoi. Peut-être si j'active ça. Et le X6 là. Non, le X6, non! Mais c'est n'importe quoi! Simplement n'importe quoi. 100 fois, il n'y a pas moyen qu'ils mettent une praline juste à la fin. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me paraît illogique. Qu'est-ce qu'on a comme clé? Ah, clé Prometheus, on en a 20 quand même. On n'a pas les clés de butin vert, on a les clés Prometheus. C'est beau. Clé Prometheus qu'on obtenait en faisant des Galaxy Gate lorsqu'il y avait eu l'événement, je crois, pendant un moment. Donc c'était sympa. Alors, j'ai entendu dire que deux familles turques se disputent les grosses étoiles et le top 10 du GE1 en faisant des Hades par minier, ce qui rend le grade plus difficile à avoir que de gagner au loto. Je suis donc d'accord avec toi que le grade n'a plus même intérêt qu'avant. Les 1 et 2 étoiles de mon serveur passent leur temps à farm les Hades, les NPC ou fly. Bonne vidéo, même si tu peux innover un poil, je comprends pas, ça donne l'état du jeu. Mais en fait, voilà, tu as dit, innover c'est un peu complexe sur Dark Orbit aujourd'hui, surtout que il n'y a pas forcément les moyens d'innover. Il n'y a pas de jeu de la part de Deo en cette période hivernale.
Et c'est un peu triste, parce que justement c'est là où il devrait animer le jeu, et malheureusement il n'anime pas le jeu, il n'y a pas plus de Spaceball, il n'y a pas plus de jeux, il n'y a pas de nouveautés, il n'y a rien. Donc c'est vachement compliqué d'innover en termes de vidéos sur Deo, si ce n'est de faire des invas tout en commentary pour pouvoir être un petit peu plus proche de vous, quoi. C'est vraiment très dur, ça se fait pas comme ça. Le Spectrum, on pourra le taper, mais il va mettre son attitude, ça sert à rien, petit fufu. Hein. Ok. 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 On va mettre le kamikaze, très bien. Donc c'est automatiquement un IEM fufu qui nous a calé le mec ou quoi là? Ok, on va mettre ça. Peut-être te mettre la gelante, toi. Voilà. Quoi? Mais non, mais d'où un miss? Mais d'où ça fait un miss? Vous avez vu la truc passer, ça fait un miss. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on peut dire que ceci est normal ou pas? De faire un miss. Lui il va se barrer aussi. C'est un truc de fou ça. Qu'est-ce qui se passe ce soir là? Voilà. Ok, il a mis l'aptitude. Donc on va mettre la formation chevron et remettre la tank. C'est quand même dingue ça. C'est quand même quelque chose de fou. Donc ils vont tous se barrer, hein, je pense. Les uns après les autres. Voilà, donc lui il va se mettre là maintenant. Ok. Peut-être mettre ça, mais ça va pas nous sauver des masses. Ils vont tous partir les uns après l'autre. Ouais, il m'a mis l'aptitude du cyborg, je peux rien faire, bien sûr. Je peux strictement rien faire. Maintenant, je suis tenu. Hein. C'est terminé. C'est nimp. Ils sont trois. IEM Fufu, il se barre. Vous avez la roquette gelante qui passe. Elle est là. Elle va sur lui. Ça fait miss. On est en roquette de précision. C'est 100% de chance de toucher la cible. Hein. C'est écrit. Hein. Putain, dans roquette de précision. Alors, je sais pas où c'est qu'on peut aller. Il y a pas ça, ils mettent pas le détail, mais vous allez dans votre hangar, c'est 100% de chance, confrère, 100% de chance de toucher la cible. Excusez-moi, 100%, ça veut dire que 100%, quoi, enfin, c'est chaud. C'est très chaud, ça m'énerve au plus haut point. Bah écoute, si des familles turques se disputent la grosse étoile et le top 10, s'ils ont que ça à branler de leur vie, j'ai envie de te dire, qu'à cela ne tienne. Je trouve ça bien triste, je pense qu'Odeo devrait arrêter aussi ça un peu. Parce que bon, on pourra me dire d'où ils sortent le fric. Parce que farmer les Hades, ça coûte masse pognon, on va pas se mentir. Déjà pour qu'ils aient des temps de jeu énormes, c'est ouf. Donc je sais pas trop, là franchement... De toute façon j'ai hâte que le grade soit reset. Alors ça c'est pareil, Deo nous indique que le grade va être reset. Et que du coup... l'XP et l'honneur ne compteront plus autant qu'avant. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'ils nous parlent de ça, c'est toujours pas fait. Donc si ça fait comme les nouveaux serveurs ou comme le cross serveur, enfin bref, comme beaucoup de choses, ça laisse un peu à désirer, j'ai envie de te dire. Team Neige, même s'il n'y en a pas eu depuis 4 ans chez moi. Mais écoute... Il faut toujours avoir l'espoir. L'espoir fait vivre. Et c'est ce qui fait survivre l'espèce humaine. Donc, peut-être que cette année, tu auras un... Ok, donc attendez, est-ce que tu vas fighter? Ouais, visiblement. Alors, visible... Ah, si, t'as ça. Attends. Si je te mets la gelante, là. Gelante, elle passe ou pas? La gelante n'est pas passée, encore une fois. Et je meurs, parce que je regarde pas ce que je fais. Je suis plus concentré sur le reste que je fais. Ouh, ça va plus. Ça va plus, on passe même pas la tank, on passe le truc, on regarde même pas ce qu'on fait. Bon, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. À partir du moment où la gelante ne passe plus, ça me rend dingue. On a une gelante, elle ne passe pas, hein. Y a rien à faire. On peut, voilà. Et la gelante, elle ne va pas passer. De toute façon, on va peut-être recharger un petit peu. Vous savez qui était notre copain, hein. J'ai même pas regardé ce que je faisais, j'ai même pas regardé ma vie. J'étais plus focus à pourquoi la gelante n'est pas passée, à si, voir s'il y avait l'animation, que à faire ce qu'il fallait faire, quoi. Bon, lui, il est carrément un truc. Oh, il est proche du portail, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop, on va tenter, mais bon, non, ça va pas aboutir, je pense, ça aussi. Là, on a pas de chance ce soir, hein. Ça veut pas aboutir, hein. Donc là, c'est lui qu'on a eu tout à l'heure, voilà. On a pris notre revanche, même s'ils étaient plusieurs. C'est juste un peu... Oh, toi, là, toi, ne te pocket. Parfait, nickel. Juste ouais, c'est chaud. Enfin, l'espoir fait vivre. Pardon, je suis perdu. Là, ça m'a complètement déboussolé. Le fait que la gelante 2 sur 2 elle passe pas, tout à l'heure ils étaient 3 et qu'on aurait facilement pété 2, je suis déçu. Vacances au ski, en voilà un. Au ski, car le soleil, j'ai déjà. Bordel, le Big Boy a dû flipper. Ouais, non, mais on a été très gentil avec le Big Boy d'hier. On voulait le laisser. Donc là, fly away from enemy. Là. Fly Array. Donc ils sont barrés. Formidable, on va voir au niveau de la station de combat s'il y a un peu de monde, peut-être qu'ils font du PC. Ah bah tiens toi, c'est beaucoup. Pas mal ton pseudo. 3 petits points. C'est cool. Enfin plusieurs petits points. Vous m'avez bien sûr compris, formation basique, un peu con, qu'est-ce que tu fais toi? Ah c'est Pablo de la Vega, d'accord. Est-ce que la gelante va passer là? Là je suis curieux de voir.
Là, je suis curieux de voir, je vais vous le dire, les gars. La gelante revient. Je vais passer la truc. Et là, je mets la gelante, là. Et attendez, il a deviné qu'il allait avoir la truc ou quoi, là? Parce que... Enfin, il même plus, alors. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce qui se passe. Lui, sa gelante passe 100%, par contre, hein. On peut faire tout ce qu'on veut, la gelante passe 100%. Bah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Tu sais, par là, je voudrais savoir si tu pourrais mettre ton pseudo dans la description pour ceux qui jouent sur le G1. Mon pseudo dans la description, au gobert. J'arrive plus trop à... J'en peux plus du rageux qui dislike toutes les vidéos avec la smiley content. Bah écoute, si c'est toi, fais-toi un kiff, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Je peux pas te dire grand-chose. Si c'est ça ton plaisir dans la vie, qu'à cela ne tienne. Vacances à la montagne en été pour ma part. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas trop pensé, vacances à la montagne. C'est sympa, je suis d'accord avec toi, la neige c'est pas souvent et c'est cool. Maintenant pour ma part, je dirais soleil parce que... Au ski, je suis plus dans une ambiance famille, alors qu'au soleil, tu peux sortir plus facilement, te faire des potes tout en étant plus libre aussi. Bref, continue comme ça. Tu peux te faire aussi des potes à la montagne. Hein. J'ai envie de te dire, quand tu vas au ski, il y a beaucoup de soirées, hein, faut pas croire. Hein. Le soir, quand t'es au ski, tu restes pas chez toi dans ton petit chalet, c'est le truc typique à manger de la fondue savoyarde avec tes parents. Non. Tu as énormément de sorties à Courchevel, c'est hyper animé, il y a pas mal de boîtes, de bars ambiance, avec des patinoires à l'intérieur et tout. Non, c'est cool. Hein. Courchevel, c'est un super endroit pour faire la fête. Hein. 99999, non, faut pas tout confondre. Il y a beaucoup là, tu peux énormément te faire des potes aussi. Hein. Enfin, surtout qu'il y a différentes nationalités, il y a beaucoup de choses, ça te permet de rencontrer divers horizons et tout. Non, c'est sympa, franchement. Après, t'as peut-être plus l'habitude au soleil parce que le contact est plus facile entre guillemets avec les gens sortent plus tard, qui voient mieux et qui sont plus alcoolisés, mais non, sinon ça reste quand même aussi pas mal de soirées à faire le soir. Des descentes de luge et tout le soir à organiser dans les bars ambiance. Bon, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Pour l'avoir fait un petit peu, c'est plutôt sympa. Alors, attendez, lui, il va me faire... Enfin, attendez... Ça va s'arrêter, ce soir-là? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu a décidé... Ouais, mais non. Je sais pas ce qu'il y a ce soir, mais... Visiblement, le jeu n'est pas avec moi. C'est bien triste. On va remonter, on va voir. J'en avais qu'il y avait un cubit qui était fait. Ah oui, Office. Soit CDO qui a une limite d'action par millisecondes, ce qui t'empêche de lancer deux actions quasi simultanées. Tiens, toi, oh putain, lui on arrive, il a plus de vie. Oh non, t'en vas pas, putain. Mais non, mais c'est sérieux ça? Ah ouais, j'ai eu peur. Tu pètes là? Mais non, mais j'en peux plus! Mais arrêtez-les! Il va être en ZNA, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment très triste ce qui se passe ce soir. Hein. C'est pas humain, c'est pas, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais il y a vraiment des choses qui se passent qui sont pas très bien. Donc là maintenant ils vont être 3. Oh là là. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. J'ai envie de vous dire, quand ça veut pas, y'a rien à faire. Il va se sortir avec que. Bon, c'est. Je suis de Perpignan, frontière espagnole, et ça fait 9 ans qu'il a pas neigé. Après j'ai la montagne à côté, donc bon, je peux voir la neige, mais c'est juste pour souligner que la planète part vraiment en couille à cause de nous, bien du Nord. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Pas de vacances, je travaille. Oui, ça, comme moi aussi, je travaille semaine 52, hein, si tu veux le savoir. Voilà, hein, j'ai juste le lundi 25 et après je travaille semaine 52. Je prendrai mes congés plus tard, mais je travaille aussi semaine 52. Donc, tu vois, finalement, ça peut te conseiller, tu n'es pas le seul. Fly ou legit? What else? À la montagne, que ce soit aussi bien en hiver qu'en été. Bien sûr, la montagne, c'est aussi très agréable l'été parce qu'il fait un petit peu plus doux. C'est vrai que c'est agréable aussi. Même l'été, c'est très sympa pour faire des trekking et tout. Même aller courir, c'est plutôt cool. Courir en altitude, c'est aussi quelque chose que je vous conseille. Bon, du coup, là, pour ce qui est de cette vidéo, on aura eu beaucoup de mal ce soir. On aura lu tous les commentaires qui ont été mis. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir proposer un petit peu mieux, mais je sais pas ce qui se passe. Là, il y avait 2-3 fights qui étaient sympas, juste la gelante qui aurait dû partir au bon moment, qui nous aurait fait extrêmement plaisir, mais visiblement, Deo s'est dit « Nine ». Tu n'auras pas cette petite 100% sur cette requête. Allez savoir pourquoi. I don't know. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on changera un petit peu. On ira peut-être au Palladium voir s'il y a un petit peu de monde. On verra ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer. On fera peut-être un peu d'UBA aussi en espérant que l'UBA ne bug pas. On verra. Demain, je pense peut-être UBA même. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.